financement Pardon, pardon, j'enregistre. Vas-y. Vas-y, Karine. Donc, chargée d'affaires financement à BPI France. Alors, je ne sais pas si du coup, vous connaissez un peu BPI France ou de près, de loin ou pas du tout. Voilà. Juste pour faire une brève petite présentation, il faut savoir qu'on est implanté du coup dans toute la France, globalement sur chaque région, en fait, ou anciennement région, hein, parce qu'il y en a en Normandie et. Enfin, en Normandie, par exemple, vous avez Caen et Rouen, hein, forcément Haute Normandie et Aix-Basse Normandie. Mais voilà, on est représenté du coup sur tout le territoire. Pour vous faire un petit focus sur la direction régionale de Caen, qui du coup est en charge du secteur de l'Orne, puisque comme vous pouvez comprendre, Caen en fait est en charge de l'Aix-Basse Normandie. Voilà, donc on est une équipe de 25 personnes à la DR de Caen, avec du coup une partie, mais ça j'y reviendrai, partie financement que je représente, une partie innovation, une partie garantie, une partie internationale, une partie fonds propres, une partie création aussi, et puis tout ça, voilà, chapeauté par Stéphane Lopicolo, qui est notre directeur régional. Donc, comme vous pouvez en gros le constater très brièvement, on a déjà plusieurs métiers qui sont représentés. Au sein de la maison. En effet, BPI France, on a une palette à outils très large, puisqu'en fait, on s'est enrichi au final au fur et à mesure des années. Et de avant, il y avait Oseo, et puis avant, il y avait encore d'autres entités. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est enrichi. Parmi nos. En fait, il faut savoir qu'on distingue deux choses à BPI France. On a des parties qui sont gérées sur des fonds publics, notamment l'aspect innovation. Et l'aspect garantie. Donc là, en fait, en innovation, on accompagne tous les programmes de R&D. Quand je parle d'accompagner l'innovation, c'est pas unique. On parle pas uniquement de la start-up, hein, qui a un processus, voilà, de rupture éventuellement. Ça peut très bien être la PME ou l'ETI, qui fait de la R&D et qu'on est capable d'accompagner en innovation. Donc ça peut être par des aides, des subventions, mais aussi des prêts à taux zéro avec des différés. Enfin, voilà, il y a pas mal de dispositifs qui sont en place. Là, avec ce que vous avez entendu d'Emmanuel Marcon sur les plans de relance, on va aussi avoir à nouveau des fonds qui vont nous être alloués pour participer à tout ça. Donc voilà, Karine. aspect innovation, où là, on a deux chargés d'affaires à Caen qui sont en charge vraiment spécifiquement de l'innovation. Karine, Oui. on nous pose la question R&D égale recherche et développement, tu confirmes? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tous les programmes, ouais, voilà, recherche et développement, complètement. Ensuite, deuxième métier, ce qui est sur un fonds d'État, même si on en a de moins en moins, c'est la partie garantie. Peut-être vous connaissez d'ailleurs un petit peu plus ce métier-là, puisque la garantie auprès des partenaires bancaires, en fait, l'idée vraiment, c'est d'accompagner les banques. Dans les projets en fait des entrepreneurs en ayant une garantie supplémentaire et en limitant le risque pour elles. Sachant qu'en garantie on peut intervenir sur voilà plusieurs aspects. Donc la garantie, les fonds propres où là on accompagne dans des participations minoritaires dans le capital donc des PME, des ETI et des grandes entreprises. Le financement que je représente, la partie accompagnement, c'est voilà des nouveaux formules aux entrepreneurs, l'international, du coup nouveau volet avec la reprise de la COFACE notamment, et puis tout l'aspect création, voilà avec les bulles création. Donc, voilà dans les grandes lignes, ça fait quand même sept métiers que BPI France désormais représente. Alors pour aller un petit peu plus, alors voilà aussi pour aller plus loin, faut savoir Karine? qu'en France, oui. Ouais, excuse-moi, hein, tu avais demandé qu'on puisse t'interrompre en mode Eh bien, ping-pong. Donc, voilà. J'ai une autre question sur le chat. On nous demande si la BPI fait des garanties financières dans le cadre spécifique, très ciblé des auto-écoles. Peu importe à la limite. Je te laisse la parole. Oui, je pense que c'est un peu le diaporama là qu'on a sous les yeux, c'est qu'on est capable d'accompagner les très petites entreprises à la grande entreprise. En garantie, le critère, en fait, c'est de répondre au seuil européen, aux critères européens de la PME. Voilà, je pense que dans le cadre d'une auto-école, ça doit rentrer dedans. Après, il y a quelques autres critères à respecter en garantie, qui est notamment des fonds propres positifs. Voilà, surtout les fonds propres positifs.
Et les critères européens, ce sont lesquels? Alors, je les représente tout à la fin quand je vais reparler de la garantie, que je vais faire un focus dessus. Super, parfait. Voilà, il y a un petit laïus. Donc voilà, alors sur la partie financement BPI France que moi je représente, pour lequel du coup je vais faire plutôt un focus, on va dire que là où on essaye d'être différenciant des partenaires bancaires, c'est que déjà premièrement nous on essaye plutôt d'être partenaire avec les entreprises. On accompagne le développement des entreprises, la transmission, les croissances externes, les projets immobiliers. Surtout, on n'est pas une banque de flux. C'est-à-dire que le dirigeant d'entreprise n'ouvrira pas de compte chez nous. On n'a pas de cherchez pas à ouvrir un compte chez nous, on n'en a pas de toute façon. Voilà. On est vraiment dans l'idée d'accompagner en financement et en prêt. Et on a notamment pour ça toute notre gamme en fait, de prêts sans garantie. Où en fait, ces prêts, et c'est là qu'on essaie d'être différenciant des partenaires bancaires, c'est que ce sont des prêts qui vont jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 2 ans de différé en amortissement du capital. Donc, mine de rien, quand des fois vous êtes sur des projets d'installation d'une nouvelle machine ou de la croissance externe, ça vous laisse quand même 2 ans le temps de monter en puissance, de s'approprier des nouveaux outils ou ce genre de choses. Donc, c'est plutôt intéressant. On peut également financer du BFR avec ces prêts-là. Parce que ces prêts sans garantie, finalement, ce qu'on appelle des crédits non affectés, ça veut dire qu'on vous fait confiance, on vous les décaisse en une seule fois et sans justificatif de facture. Donc, c'est pour ça qu'on est capable aussi de financer du BFR, du petit matériel aussi à faible valeur de gage que des fois les banques n'aiment pas trop. Et en plus, le dernier point, c'est que du coup, comme c'est indiqué, c'est un prêt qui est sans garantie réelle. C'est-à-dire qu'on ne demandera pas de nantissement du fonds de commerce ou de caution du dirigeant, ce genre de choses. Et donc, parmi toutes ces gammes de prêts sans garantie, je vous fais un focus sur la partie climat parce que BPI France, en fait, là, depuis 1 ou 2 ans, se veut désormais inspirer les entreprises dans la transition écologique et énergétique, qui est quand même un gros enjeu des prochaines années pour les entrepreneurs et pour les entreprises, parce que dans quelques années, elles auront des obligations à remplir certains critères. Et donc, de ce fait-là, on a développé en fait des produits spécifiques, notamment la gamme du prêt vert qui porte bien son nom, où l'idée, c'est d'accompagner les entreprises dans cette transition écologique et énergétique par exemple, un matériel qui va être moins consommateur, l'isolation de bâtiments, tout ce qui va être l'aspect énergétique. Mais voilà, ça peut être aussi de l'industrialisation plus verte. Mais on reste... Oui, véhicules également, tout ce qui peut être les véhicules plus verts, tout à fait. Même du BFR qui s'accompagne dans tous ces projets-là. Parce que l'idée derrière de ces financements, même s'ils ont une étiquette verte et que c'est vraiment d'inciter les entrepreneurs à se lancer dans cette transition écologique et énergétique, on reste sur des prêts sans garantie, comme je vous expliquais auparavant, c'est-à-dire que voilà, on ne demandera pas de facture pour la justification, vous décaissez tous en une seule fois et c'est sans garantie. Et avec du différé d'amortissement en capital. En fait, la base reste la même de financement. Après, la thématique, on va dire, change un peu et tourne autour plus là du climat. Donc ça, c'est notamment notre première gamme. Dans la continuité des prêts sans garantie, on a tout ce qui va être en effet les prêts de croissance, relance notamment. C'est dans le cas, c'était la thématique surtout de cette année et puis de la fin 2020 avec la crise sanitaire qu'on a connue, où l'idée c'était d'accompagner des fois en BFR les entreprises ou dans certains projets de participer à la relance. Également sur l'international, quand vous souhaitez vous développer sur l'international, on peut faire ce type de prêt. Et également la transmission. On est capable d'accompagner sur des prêts. Alors là, ils sont sur 7 ans, dont 2 ans de différé en capital, mais toujours sans garantie, le rachat de titres. Karine ? Oui ? Encore une petite question. Peux-tu revenir sur le slide précédent, s'il te plaît ? Oui. On nous pose la question sur ce slide. BFR, y a-t-il des statuts juridiques exclus ? Notre adhérent pense notamment à l'EURL. Et c'est Anne Andrieux qui pose la question. Si elle veut préciser sa question, elle peut rouvrir son micro et te poser la question. Oui, je suis désolée, j'ai pas de vidéo. Il y a un petit problème technique sur mon PC. On entend oui, bien. Effectivement,
Est-ce que sur le slide précédent, les prêts sans garantie sont soumis à l'existence d'un certain statut juridique, notamment sociétal? Alors, l'existence d'un statut juridique, je dirais non. Après, les entreprises individuelles, on n'est pas capable de faire. Après, ce qui peut être limitant, et je pense notamment au cas que vous avez cité, l'EURL, c'est plus que l'intervention de ces prêts garantis sont maximum à hauteur des fonds propres de l'entreprise. D'accord. Donc, ce qui dit souvent EURL, quand même, dit des fonds propres, des fois, assez limités, en fait. C'est Ok, souvent. donc en fait, faut une structuration juridique de type SAS ou SARL au Oui, après, je minimum. vous dis, c'est pas exclu. Enfin, l'URL n'est pas exclu, hein, du dispositif. Je dis juste que nous, l'intervention possible, c'est au maximum à hauteur des fonds propres. Donc voilà. Donc c'est vrai que forcément, les SARL ou les SAS ont souvent majoritairement plus de capitaux dans leur structure financière. D'accord, ok, merci. Donc voilà. Très bien, donc là, du coup, dans la continuité, donc ça, j'avais fini sur la partie prêt sans garantie, où, comme vous le voyez, on est capable d'accompagner finalement beaucoup de choses, hein, des investissements matériels, immatériels, le BFR, les croissances externes, les rachats de titres et l'international, où vraiment on n'est pas limitant, tout en ayant cette souplesse, bah, avec le différé notamment et la sans garantie. Après, on est capable, comme une banque classique finalement, d'accompagner des prêts sur le long terme, notamment tout ce qui va être l'immobilier, hein, l'achat d'actifs immobiliers. On peut faire des prêts jusqu'à 15 ans. Et puis après, tout ce qui va être crédit bail matériel et crédit bail immobilier. Voilà, donc là, qui sont des choses finalement très classiques par rapport aux partenaires bancaires. Mais l'avantage, par exemple, de nous faire intervenir dans des tours de table avec des partenaires bancaires, parce qu'on travaille, de toute façon, ça je l'ai pas dit au début, mais notre vocation quand même à BPI France, c'est d'être toujours en partenariat avec les partenaires bancaires et d'être en cofinancement. Mais voilà, l'avantage des fois dans des projets un peu structurants pour les entreprises, notamment l'immobilier ou ce genre de choses, c'est que ça permet aux partenaires bancaires de partager le risque et donc du coup de nous faire participer au projet. Et puis derrière, au client, ça lui donne le gros avantage de ne pas avoir une banque commerciale en plus avec qui partager le flux. Voilà. Karine, encore une question. On Oui. nous demande des précisions sur les taux. Est-ce qu'ils sont raccord avec les taux bancaires classiques? Est-ce que c'est Alors, plus intéressant dans la norme, dans la moyenne? Enfin, voilà. grand, grand sujet. On va dire que sur la partie, là, sur la partie des prêts classiques, qu'on est capable de faire, on va être comme les partenaires bancaires. On va savoir se positionner aussi bien, voire mieux, voire des fois peut-être un peu moins bien parce que ça peut dépendre, mais généralement on va être aussi bien que les partenaires bancaires, voire mieux là-dessus. Voilà, on peut être très compétitif. Sur toute la gamme des prêts sans garantie, en fait la tarification est fonction de la notation Banque de France. Et en effet, là, on peut être un peu plus cher que le partenaire bancaire. Mais après, ça s'explique aussi. Quand je dis plus cher, c'est pas non plus. Après, il ne faut pas se limiter, hein, parce que dans certains cas, on peut être aussi bien compétitif. Puis des fois, en effet, on peut être un petit peu plus cher, mais ça ne va pas jouer non plus à des écarts énormes. Mais aussi, ça s'explique par le fait que, vous l'avez bien compris, et je le répète, que les prêts sont sans garantie, avec un différé de 2 ans, qu'on vous décaisse les choses sans facture et sans justificatif. Oui, sans justificatif, une seule fois. Donc, ce que les partenaires bancaires, ça, ils sont pas forcément capables de faire, puisqu'ils vont demander des factures, ils vont demander des garanties. Donc, voilà, forcément, le taux peut être un petit peu plus élevé. Karine, si tu me permets une petite incise, Oui. j'ai appris récemment, je ne savais pas, que la cotation Banque de France, c'était une cotation à dire d'expert. C'est-à-dire que quand on la reçoit, on peut la contester, en tout cas demander à la discuter. Tout à Et fait. donc ensuite, c'est un expert qui vient sur pièce et sur place, et on peut essayer d'obtenir une meilleure note cotation Banque de France après cette contestation. Ce qui permet ensuite d'avoir des taux plus privilégiés aussi. Voilà. Donc, dans sa stratégie, quand on reçoit une cotation qui est un peu négative, ne pas hésiter à demander un rendez-vous avec un expert qui pourrait être amené à se déjuger et à vous remettre une cotation plus favorable.
Tout à fait. Oui. C'est vrai que je m'aperçois qu'on n'a pas fait de tour de table pour savoir qui étaient les, s'il y avait des entrepreneurs dans ce webinaire. On le fera après, c'est pas grave. Mais en effet, faut savoir que en fait, la cotation Banque de France, c'est une analyse humaine aussi en partie. Donc moi j'incite vraiment, alors je ne suis pas experte, hein, je ne travaille pas pour la Banque de France, mais on a déjà eu des cas et des exemples. Il ne faut vraiment pas hésiter si vous voyez que votre cotation Banque de France, et ben, vous n'en êtes pas forcément satisfait ou vous jugez qu'elle n'est pas correcte par rapport bah, clairement à votre situation. Il ne faut pas hésiter déjà à toujours rencontrer la Banque de France. Déjà quand vous présentez les bilans à la Banque de France, il faut toujours aller les contacter, leur présenter votre bilan, et ne serait-ce que ça, en fait, ça va permettre... peut-être un peu d'inciter à une meilleure notation. Après, ils peuvent toujours revoir les choses, en effet, à la hausse, je vous le dis, quand vous reparlez avec eux de vos bilans. C'est vraiment un échange aussi humain, hein, cette notation, dans le sens où forcément, si la personne qui reçoit les bilans à la Banque de France ne reçoit que des bilans et que des fois, il peut y avoir des petits trucs qui la dérangent, si elle n'a pas d'explication de texte derrière, eh ben, elle va peut-être dégrader cette note alors qu'en fait, tout s'explique finalement. Donc faut vraiment pas se limiter et au contraire moi je vous dis j'ai un client c'est arrivé cet été, il a réussi je crois à obtenir 2 crans de plus, donc favorablement hein, les 2 crans, donc c'est vous dire que voilà, tout est possible. Ok Karine, on te laisse reprendre le fil de ton intervention. Ouais. Alors, donc voilà, j'avais aussi répondu à la question sur les taux. J'espère que j'ai été assez claire. Ensuite, alors pour continuer, dans la même esprit, on est capable aussi, j'ai fait un focus sur le climat, je vais faire un focus sur les secteurs de l'hôtellerie-tourisme, où en fait, on a vraiment une notion d'expertise à BPI France sur ce secteur-là et que malgré le contexte difficile, eh ben, on continue d'accompagner. Avec pareil une gamme de prêts sans garantie mais du coup dédiée au secteur touristique et hôtellerie, donc du restauration à l'hôtel mais en passant par beaucoup d'activités annexes, hein, les parcs d'attractions, les zoos, enfin voilà tout ce qui va à côté. Et de ce fait là on a notamment en ce moment le prêt relance Covid qui est vraiment lié aux besoins liés à la situation actuelle, aux difficultés qu'ont pu connaître les entrepreneurs sur le sujet. Où on a des prêts en fait, qui sont donc dans la même logique jusqu'à 10 ans avec du différé jusqu'à 2 ans en capital et qui sont sans garantie et pour lequel on est capable dans le même esprit d'accompagner tout type d'investissement immatériel ou matériel ou des croissances externes et du rachat de titres. Mais du coup, qui est vraiment dédié au secteur touristique et hôtellerie, qu'on vraiment, même cette année, on a continué d'accompagner sur tout ça, parce que l'idée, ce n'était pas de les laisser pendant cette année difficile. Au contraire, c'était de continuer à les soutenir. Donc voilà, on est vraiment... c'est historique, hein, qu'à BPI France, on est vraiment... On connaît bien ce secteur-là et qu'on a toujours cette volonté de les accompagner. Donc voilà, donc sur la même gamme de prêts sans garantie, finalement, on décline sur ce secteur-là. Alors, le plan Touch, en fait, c'était un petit peu la même... plutôt sur le secteur en fait qui va être des industries créatives, mais en fait je ne vais pas vous en parler puisque le dispositif va se terminer à la fin d'année et pour l'instant on ne sait pas s'il va être conduit, donc je vais passer ce point-là. Après, donc dans le même esprit, on a également une offre aussi dédiée au secteur du bois. Voilà tout ce qui va être les filières autour du bois. On a toute la logique d'accompagnement BPI France, aussi bien en innovation qu'en garantie, qu'en financement, où on a des prêts également, des prêts sans garantie autour de toute la thématique bois, mais également en fonds propres. Voilà, ça aussi, c'est une filière qu'on est capable d'accompagner. Y compris bois énergie, bois de recyclage, bois déchets. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. Merci. Voilà. Après, donc ça, c'était toute notre partie, notre métier financement, finalement, sur lequel on peut s'inscrire dans les projets de développement des entreprises, comme vous l'avez vu, divers et variés. Après, l'un de nos métiers aussi qui a quelques années, mais qui est quand même assez récent pour nous, c'est l'accompagnement. On s'est aperçu finalement que les dirigeants se sentent quand même souvent très seuls en fait dans leur rôle de dirigeant,
dans la prise de décision et ce genre de choses. Donc, du coup, on a créé des accélérateurs. Alors, on a créé aussi des missions conseils qui sont autour de la stratégie, les DIAC 360 notamment, où là, en fait, c'est des missions qui durent une dizaine de jours. Vous avez en fait des experts qui sont indépendants à BPI France, mais du coup, des experts qui sont triés et sélectionnés par nous et qui viennent dans l'entreprise faire finalement un état des lieux, un diagnostic et émettre des recommandations. Donc voilà, donc c'est des petites missions comme ça. Et notamment, le diagnostic 360 est très apprécié des entrepreneurs parce que voilà, ça permet quand même des fois de poser certaines choses et de prendre de la hauteur. Et dans cette continuité, en fait, on a créé tout le programme accélérateur. On a donc des régionaux. Alors, en Normandie, on n'en a pas. Mais en l'occurrence, dans d'autres régions, il y en a. Des sectoriels et des nationaux. C'est-à-dire sectoriels, par exemple, là, en ce moment, on va en avoir un sur la chimie-plasturgie ou sur le secteur du tourisme. Justement, on va en lancer un. Et puis, des nationaux qui vont être le PME ou les ETI. En fait, l'idée vraiment, c'est de faire des promotions d'entrepreneurs, de les mettre ensemble sur des programmes qui vont de 1 à 2 ans. Finalement, ils ont, on va dire, tous les 3 mois ou 3-4 mois, ils ont toute la partie formation où là, on est en collaboration avec des grandes écoles. Et puis, en fait, ils se retrouvent finalement avec tous les entrepreneurs pour échanger sur leurs problématiques, se challenger aussi finalement, prendre de la hauteur sur tout ça. Ils se retrouvent voilà, autour de la formation. Ensuite, dans ce... Alors, j'ai ma lumière qui s'est éteinte. J'espère que vous me voyez quand même. Ensuite, on a toute la partie donc, conseil qu'on retrouve, où là, en fait, il y a donc du coup deux missions conseil qui sont dans ce programme accélérateur qui sont fournies. Et puis après, il y a tout l'aspect mise en relation et team building, justement, avec le fait de créer des synergies avec les autres chefs d'entreprise finalement qui sont dans ces accélérateurs. Donc c'est vraiment des programmes d'accompagnement en fait. Pour l'idée, c'est d'accompagner l'entrepreneur dans son développement, de le faire grandir et de le booster voilà pour aller encore plus loin. Et c'est des programmes voilà qu'on commençait il y a quelques années et là les entrepreneurs qui sont sortis des premières promotions en sont vraiment voilà très contents de tout ça. Voilà, c'est vraiment des belles offres auprès des entrepreneurs. Et notamment sur... Alors, je refais le focus sur la partie Banque du Climat qu'on se fait à BPI France. C'est qu'on a en ce moment des missions diagnostic éco-flux. En ce moment, donc comme je vous le disais, c'est des missions qui sont sur une dizaine de jours, qui sont réalisées par des experts qui viennent... Alors, ils ne viennent pas 10 jours de suite, hein, ils viennent voilà, sur des phases d'une dizaine de jours. Mais donc, le principe du diagnostic éco-flux qui est vraiment dans la tendance actuelle de la transition écologique et énergétique, c'est d'aller, de trouver les sources dans l'entreprise qui seraient vocation à faire des économies. Voilà, des économies durables, des économies de matière, des économies de la consommation énergétique, production des déchets. Et puis, l'idée derrière, c'est d'optimiser tous ces flux et d'avoir un gain sur tout ça. Donc, c'est vraiment dans la thématique d'accompagner la transition écologique et énergétique des entreprises. Avec eux, on a voilà, ce petit diagnostic qui est vraiment dédié à tout ça. Ensuite, alors sur nos autres métiers, c'est là où on va revenir, je pense, un petit peu à la garantie. Alors, premier aspect, donc l'innovation, j'en ai parlé rapidement. Comme je vous le dis, voilà, on est capable d'accompagner de la création, où là, en effet, on va peut-être plus être sur l'aspect start-up, mais d'accompagner sur la création avec des aides ou des subventions, finalement, jusqu'à financer la recherche et développement, et puis finalement, aller jusqu'au bout du processus et accompagner les entreprises loin jusqu'à voilà, des prêts spécifiques à l'innovation. Des fois, c'est des prêts à taux zéro ou des prêts avec des taux bonifiés, ce genre de choses. Mais c'est des prêts en général qui disposent voilà, de différés d'amortissement également. Et tout ça pour accompagner vraiment la recherche et développement, je vous dis, aussi bien de la start-up, mais comme de la PME ou de l'ETI. Hein. Vraiment, c'est assez large. Et sur tous les secteurs. Financement donc là de l'international où chez nous à Caen on a du coup un chargé d'affaires aussi qui représente l'international
où là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner dans cette idée de prospecter vers de nouveaux marchés et pour les développer. Et en ça, en fait, on a notamment notre produit phare qui est l'assurance prospection. En fait, l'idée, c'est je souhaite aller me développer à l'étranger. Je ne sais pas trop encore quel pays, quel marché. Bah, du coup, vous faites un programme finalement de dépenses. Et en fait, nous, on est capable d'en prendre en charge une partie. Et ça marche finalement comme un succès ou un échec. C'est-à-dire que si vous y arrivez, eh ben, tant mieux, vous rembourserez cette assurance prospection comme un prêt. Et si vous échouez, ben, il n'y aura qu'une partie qui sera remboursée. Et voilà, l'idée est d'accompagner les entreprises sur l'international. À côté de ça, on est aussi en partenariat avec Business France, à BPI France. D'ailleurs, on a quelqu'un sur site qui est là et qui représente Business France, qui, pareil, va aider dans cet accompagnement à l'international. La garantie, donc en effet, comme je disais, dispositif destiné aux PME au sens européen. Alors, au niveau des critères, je vous les donne tout de suite exactement. Je ne crois pas l'avoir écrit sur la slide. Alors, on parle de PME au sens européen du terme, c'est-à-dire qu'elles ont moins de 250 salariés, ou que le chiffre d'affaires consolidé est de moins de 50 millions et un total bilan inférieur à 43 millions. Et non détenu par des personnes à plus de 25% non éligibles. Enfin, non détenu par des entreprises non éligibles à plus de 25%. Quand on parle d'entreprises non éligibles, on va parler notamment des fonds, en fait, de certains fonds d'investissement ou ce genre de choses. Mais voilà, donc on est quand même sur... Quand c'est on pas parle des critères pas... trop restrictifs, quoi. Non, on est vraiment déjà 250 salariés. Hein, oui, pour la CPME, voilà. C'est... Ça va coller. Ouais, je pense que normalement, on est quand même assez large. Donc, comme je vous le disais, on est capable d'accompagner la création, la transmission, le renforcement, le développement et notamment certaines cautions. On est également, en fait, sur la garantie. Donc, il y a des quotas, en fait, il y a des pourcentages. En effet, c'est de 30 à 70% en fonction de la nature du projet. Et en fait, on est à côté aussi des régions. Sur ce dispositif-là, des fois, on peut faire appel justement à la région pour nous accompagner sur ces volets-là et qui permet notamment d'aller chercher jusqu'à 70% de garantie. En général, quand on va jusqu'à 70% de garantie, c'est que la région, en fait, est à nos côtés pour nous accompagner. Karine, une petite question. On me pose la question de savoir comment intégrer l'accélérateur. Soit vous pouvez prendre contact avec moi et puis je pourrais vous présenter les programmes qui peuvent intéresser l'entreprise. Sinon, sur la plateforme de BPI France, vous devez trouver toutes les solutions, je pense, sur les accélérateurs. Et du coup, vous avez les liens aussi pour vous inscrire. Voilà, mais après, ça, les accélérateurs, ça peut faire un focus en particulier avec l'entrepreneur qui serait intéressé, parce qu'on a vraiment beaucoup de thématiques sur les accélérateurs, donc des fois, ça peut être intéressant de comprendre aussi ce que cherche le dirigeant et la thématique. Ok, merci. Il y avait peut-être d'autres questions sur la garantie, parce que je sais que c'est souvent un sujet aussi... Non, je n'ai pas d'autres questions. J'ai une petite blague, mais non, ça va. Une auto-école qui... J'ai Serge qui dirige une auto-école qui nous dit accélérateur, c'est la pédale de droite. Voilà. Mais ouais, c'est une bonne image aussi. C'est vraiment l'idée, hein, c'est d'accélérer. Ouais, c'est... Je la transmettrai à notre service communication hein, pour qu'il fasse cette Allez, parenthèse fermée. Voilà, après, le métier aussi chez nous, c'est le financement du court terme. On est historiquement, on était d'ailleurs historiquement très fort sur l'accompagnement, en fait, pour la mobilisation via des sessions d'AI sur les grands donneurs d'ordre ou le public, tout ce qui va être le public. Bon, alors depuis, on a élargi le dispositif, mais en effet, c'est la mobilisation du coup de créances via de la DAI
aussi bien donc, les grands donneurs d'ordre, tout ce qui va être lié au public, mais aussi maintenant, bah, voilà, toute entreprise. En fait, maintenant, en fait, quand le client a des entreprises qui peuvent être éligibles à être mobilisables, en fait, chez nous, ça fait, on regarde en fait, si son client est mobilisable en interne. Mais voilà, on est assez large maintenant au niveau du dispositif. Au niveau du taux positif, mais voilà, ça permet d'avoir une avance en trésorerie bah, par rapport à certains besoins. On fait également tout ce qui va être l'engagement par signature, caution ou garantie, et puis l'avance plus CIR, où là, c'est de la mobilisation finalement du crédit impôt recherche. Bon, c'est bien que ça met souvent quelques années avant d'être rétribué auprès des ETI. Donc là, voilà, on peut mobiliser cette avance. Et donc c'est pareil chez nous, il y a donc du coup une personne qui est dédiée au court terme pour tout ça. Et comme d'ailleurs je ne l'ai pas évoqué, mais sur la garantie, hein, on a toute une équipe en place, que ça se trouve vous avez déjà eu en interne, enfin vous connaissez peut-être que vous avez déjà eu au téléphone, voilà, qui sont chez nous et qui répondent à tout ça. Ok, bravo, merci Karine. J'ai encore une question du coup, puisqu'on arrive au slide des questions. Pour être sûr de ne pas se méprendre, une question qui est posée en disant, moi j'ai un capital de mon entreprise qui est à 5 000 euros, donc le prêt possible est de 5 000 euros. Oui. Okay. Après, alors après limitant, à voir si des fois, s'il n'y a qu'une entreprise, si des fois on est dans un groupe, peut-être qu'on peut voir pour élargir, ou s'il y a une autre entreprise qui a plus de capital, mais oui, sur l'aspect prêt sans garantie, on va se limiter aux fonds propres, tout à fait. Après, fonds propres, et on peut voir avec s'il y a des comptes courants d'associés. Ah, Christine, il y a peut-être un peu d'espoir. Voilà, ça peut élargir des fois, hein, c'est-à-dire fonds propres plus compte courant d'associés. Ok. Après, bon. Tout est... Bon, il y a des règles et des barèmes, bon, c'est comme ça, quoi, c'est... Bon. Ok, la règle est fixée. D'autres questions ? Alors, moi, j'ai plusieurs questions, mais peut-être il y aura possibilité d'avoir un mail et d'en débattre par mail, parce que je ne veux pas embêter tout le monde avec mes questions plus ou moins spécifiques. J'avais des questions sur la garantie financière dont j'ai demandé tout à l'heure, parce que c'est une spécificité aux auto-écoles. En fait, on a obligation d'avoir une garantie financière. Alors, en général, c'est ce qu'on appelle une garantie financière bancaire, qui est faite par des assurances ou des banques, et qui couvre notre clientèle en cas de fermeture de l'établissement. Donc, je suis preneur de ça, parce qu'on est obligé de passer par des réseaux qui nous coûtent des bras. Alors, je sais bien qu'une garantie financière, ça doit coûter, mais s'il y a possibilité de se libérer de certaines sociétés à vide de ça, ça m'intéresse. J'avais, donc je vous les donne en vrac, hein. J'avais une autre question sur le prêt vert dont vous parliez tout à l'heure, parce que j'ai projet d'acheter un véhicule totalement électrique dans ma profession, ce qui est pour l'instant assez anecdotique. Et je voulais savoir si la BPI pouvait intervenir là-dessus en concurrence avec la banque, enfin sur une LOA ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, je ne sais pas si vous pouvez. J'avais une question sur les fonds propres dont vous avez parlé tout à l'heure. Pour moi, qui suis un peu nouveau dans le fonctionnement de l'entreprise, les fonds propres, c'est le capital social, c'est autre chose. Voilà, donc ça m'intéresse d'avoir des informations. J'en ai encore deux. Comment connaître sa note de la Banque de France, parce que ça m'intéresse aussi. Et puis la dernière, éventuellement, un focus sur le Diag 360. Vous disiez qu'il y avait des bons retours. C'est quelque chose qu'éventuellement, ça peut m'intéresser. Donc, bah, le coût, bien évidemment, et puis savoir en quoi ça consiste. Peut-être d'abord en quoi ça consiste et après le coût, pour être tout à fait précis. Karine, bon courage. Avec tout ça, vous en avez jusqu'à midi. Je vous écoute. S'il y a des questions à laquelle vous ne pouvez pas répondre, on peut peut-être échanger après en dehors. Oui, hein, voilà. Après, c'est comme vous le voulez. C'est soit je prends un temps d'échange avec vous pour échanger en direct sur toutes vos questions. Si les autres intervenants ne sont pas forcément intéressés par les réponses, ou sinon, voilà. En effet, je déroule les questions.
Peut-être Karine, à la limite, s'il y a d'autres questions plus générales, on les fait passer avant. Oui. Voilà. Par exemple, tu vois, la notation de Banque de France m'intéresse aussi. Voilà, après, c'est ça. Si vous avez... Dites-moi. Et en plus, on se laisse avec Serge. Pour ceux qui s'intéressent, dont moi, il a posé des questions pertinentes et qui peuvent être intéressantes. Oui. On reste et puis on écoute, quoi. Mais est-ce qu'on peut passer d'abord d'autres petites questions, notamment sur la notation Banque de France? Alors, sur la notation Banque de France, de toute façon, ça va être une bonne question parce que, en fait, c'est l'entreprise qui fait la démarche de publier ses bilans et du coup de récupérer auprès de la Banque de France sa notation. Il le reçoit par courrier en général, me semble-t-il. Pardon ? Il le reçoit par courrier, sa notation en général. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est un courrier qu'on a tendance à classer quelquefois en se disant oui, bon, bah, ça ne sert à rien. Mais voilà. C'est quand même bien de regarder la cotation et puis d'essayer de la négocier. Mais après, il faut savoir que toutes les entreprises n'ont pas de cotation Banque de France, puisque en fait, tout dépend aussi de si vous publiez vos bilans ou si vous leur faites parvenir des éléments. Donc, des fois, vous faites, ça se trouve, vous n'avez pas de cotation Banque de France. Mais là, c'est vraiment avec eux qu'il faut voir en direct. Nous, on n'intervient pas du tout dans. Bah là, on peut faire la liaison aussi, nous, les DT, avec. Les interlocuteurs de la Banque de France. Après, vous avez, alors j'ai plus son nom là comme ça de tête, mais vous devez le savoir. Il y a un représentant de la Banque de France sur le territoire de l'Orne, hein, c'est sûr. Oui, oui. Donc, voilà. C'est Cédric Chopin, voilà. Voilà. Juste parce que moi je publie pas mes comptes et j'ai un fournisseur l'autre jour qui m'a dit, bah, justement sur cette histoire de garantie, vous avez une bonne note de la Banque de France sur un établissement, donc c'est possible, et sur l'autre, la note est moins bonne, donc c'est pas possible. Donc je pense que je suis noté quelque part, malgré le fait que je publie pas mes comptes. Mais vous êtes tous notés, me semble-t-il. Pour avoir discuté Banque de France, vous êtes tous notés, me semble-t-il. Je vous redonnerai l'information. En tout cas, chez eux, il y a tous... Je vous le confirme, là pour moi j'ai 80% sûr, mais comme il y a 20% de doute, je vais creuser et je vous redonnerai tous l'information, d'accord ? Sur ce point très précis de la notation. Ok, pour moi, je note. Il y avait d'autres questions ? Il y a un vrai intérêt d'être coté à Banque de France. Bah, dans la mesure où si la cotation elle est forcément obligatoire, il n'y a pas à se poser la question de savoir s'il faut le faire ou pas. Et si vous avez la cotation, bah, on l'a dit, pour les prêts, pour d'autres choses, effectivement, c'est pour la confiance des fournisseurs, pour vous laisser des encours, etc., etc. Ils regardent aussi les cotations Banque de France. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir une bonne note et de la négocier. Bonjour à tous. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Je profite de ce temps d'échange pour intervenir. Je ne veux pas interrompre les questions. C'est simplement pour dire que j'étais connecté. Je viens... simplement vous saluer. Je suis Stéphane Lopicolo. Bonjour à tous. Et je suis le directeur régional de BPI France. Et je remercie déjà Karine d'avoir fait la présentation. Et puis, je voulais simplement vous saluer. Voilà. Donc, s'il y a des questions aussi, je serai là aux côtés de Karine, du coup, jusqu'à la fin pour y répondre. Et bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci. C'est moi la différence, je voulais savoir, c'est entre moi, je sais que je suis côté la SFAG, ça c'est, je le suis énormément justement pour mes encours fournisseurs. Par contre, c'est un peu la même chose entre la, enfin, sauf que c'est un organisme privé, mais entre la SFAG et le Banque de France, c'est les mêmes types de cotations. Moi, j'ai aucune info par rapport à ça. Je ne connaissais que la cotation Banque de France. Hein. Donc ce sont pas les mêmes cotations en fait, hein, sur la SFAC et la cotation Banque de France. Peut-être pour repréciser aussi, je sais que la Banque de France a un chiffre d'affaires minimum en dessous duquel normalement ils ne cotent pas. De mémoire, c'était 750 000 euros à un moment. Donc en dessous, il y a pas forcément de cotation Banque de France et au-dessus, il y a une cotation si on publie les éléments financiers ou alors qu'on le demande. Voilà, on peut le demander aussi si on ne fait pas partie du scope et avoir une cotation de la Banque de France. Mais normalement, c'est au-delà de 750 000 euros et il faut publier les éléments financiers. Sinon, on ne peut pas avoir de cotation Banque de France puisqu'ils ne cotent que sur les équilibres bilanciels en fait, et sur la structure du bilan et sur le compte de résultat, donc sur la rentabilité. Donc, s'ils ne connaissent pas ces éléments, ils ne peuvent pas attribuer une cotation. Et pour information, il y a une nouvelle cotation Banque de France qui est en train de sortir et qui va être effective, je pense, d'ici à janvier 2022. Donc, ce sera un nouveau barème. Et ça, nous, on ne le connaît pas encore d'ailleurs,
Il y a un nouveau barème qui est en train de sortir. Voilà, juste pour information. Merci Stéphane. Bon, bah, du coup, je demanderai la précision sur le seuil exact de chiffre d'affaires. Voilà, de confirmer ça à tous nos adhérents. Et puis, je me renseignerai sur le nouveau barème. Je crois que c'est 750 000. Ouais, d'accord. Jetez un coup d'œil rapidement, il me semble que c'est 750 000. On va en être sûr et je vous redonnerai tous l'information. Et puis peut-être si je peux avoir des informations sur ce nouveau barème, je demanderai à notre interlocuteur des informations sur ça, s'il en a. Merci. OK. Une autre question, process de demande de garantie pour une TPE en création et les critères principaux. Alors, la garantie, du coup, auprès des partenaires bancaires, le fonctionnement, c'est que la relation, c'est directement entre la banque et BPI France. En fait, finalement, ce n'est pas le client qui vient nous solliciter, c'est le client qui va solliciter sa banque, ou la banque en parle au client, hein, d'ailleurs. Mais après, en fait, c'est la banque qui fait la démarche de nous déposer une demande en garantie. Oui, c'est ça. Et ce qui est pour compléter, effectivement, on a un process qui est déjà bien travaillé avec les partenaires bancaires. En fait, les partenaires bancaires ont des délégations de pouvoir que BPI France leur attribue. Et si tous les critères sont respectés, bon, il y a quand même pas mal de critères à respecter, mais en général, c'est le cas. Jusqu'à 200 000 euros, ils ont en fait une convention de délégation de pouvoir. Ça veut dire que si la demande de l'entreprise concerne un besoin qui est inférieur à 200 000 euros, à ce moment-là, la banque peut attribuer une garantie BPI France sans nous demander, sans nous envoyer le dossier. Ça veut dire que la banque a le pouvoir, la délégation de pouvoir de faire jusqu'à 200 000 euros. Au-delà de 200 000 euros, à ce moment-là, les dossiers nous arrivent au cas par cas en physique. Mais dans tous les cas, c'est la banque qui nous envoie le dossier de demande de garantie, puisqu'en fait, le client, l'entreprise, quand il va voir son banquier, il va voir son banquier pour un financement bancaire. Il ne va pas voir son banquier pour une demande de garantie de BPI France. En fait, c'est la banque qui décide de nous solliciter en garantie si elle estime qu'elle a besoin de notre concours en garantie. Donc, au final, le process, c'est l'entreprise va voir sa banque et soit la banque n'a pas besoin de la garantie BPI France, soit la banque a besoin de la garantie BPI France, mais elle le fait elle-même sur ses pouvoirs jusqu'à 200 000 euros. Soit la banque a besoin de la garantie BPI France et on est au-delà de 200 000 euros, et dans ce cas-là, elle vient nous solliciter. Mais en tout cas, c'est la banque qui nous sollicite. Laurent, tu avais une question sur les critères ou quelque chose comme ça ? J'ai vu passer. Si tu veux prendre la parole. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir au moins une réponse sur les critères principaux ? C'est juste pour mon information. Moi, je suis un ancien banquier et j'accompagne les chefs d'entreprise, donc... Ça m'intéresserait, ou alors d'appeler l'interlocuteur et d'échanger en direct avec elle. Oui. Ce qu'on peut vous faire passer, c'est les critères. Parce qu'il y en a, je pense, une bonne dizaine. C'est pas grave. Voilà, on vous fera passer les critères, je pense, peut-être par mail. Comme ça, ce serait intéressant que vous les ayez. Et puis, en fait, en général, ce sont des critères d'ordre de rentabilité, de structure. Sachant que c'est des créations, hein, en l'occurrence, je parle d'une création. Hein. Ah, pour la création spécifiquement, alors une reprise création, oui, tout à fait. Pour le cas qui m'occupe, mais ça peut avoir. Ouais. D'accord. Pour la création, je vous dirais effectivement si il n'y a pas spécialement de critères effectivement d'ordre financier pour le coup, mais on va avoir plutôt des critères de montant. Si c'est en dessous d'un certain seuil, c'est la banque qui va faire elle-même. Donc, 200 000, donc, ok. Normalement, c'est 200 000 pour la création aussi. Et au-delà de ce montant, c'est nous qui prenons sur la création, en fait, l'analyse que va faire le banquier, mais après, je ne parle pas au nom des banquiers, mais c'est l'analyse qu'on fait tous et qu'on fait nous-mêmes, c'est de vérifier la capacité du porteur de projet à aller au bout de son projet de création, quel est son savoir-faire, quelles sont ses compétences, quel est éventuellement l'élément différenciant. Là, on est plus sur des critères, j'allais dire, de marché, des critères économiques, de concurrence, oui. D'expérience du dirigeant, éventuellement d'apport, s'il y a un apport financier de la part de l'associé principal. Ça va être des critères plutôt de projet, finalement. D'accord. Et plutôt de dirigeant, de qualité de dirigeant. Voilà, est-ce qu'il a eu d'autres sociétés avant ?
Qu'est-ce que ça a donné avant? S'il n'y a pas d'expérience, est-ce qu'il veut reprendre, par exemple, il veut créer un restaurant. Est-ce qu'il a des compétences dans la restauration? Est-ce qu'il a déjà travaillé en restauration, etc. Voilà, ça, c'est plus des critères, on va dire, de projet, d'expérience, plus que financier, finalement. Oui, je comprends tout ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est en quelque sorte à l'appréciation, c'était ça ma question en réalité pour la création, à l'appréciation de la banque qui étudie le dossier, sans critères spécifiques. Ah ben si, c'est quand même des critères spécifiques, quoi. L'expérience du dirigeant, l'apport, le coût d'apport sur le projet. Est-ce qu'on est plusieurs banques à partager le dossier? Est-ce que le prévisionnel tient la route par rapport au marché? Et est-ce que le prévisionnel est capable d'absorber la nouvelle charge de crédit? Enfin, c'est quand même des critères assez précis et factuels. Oui. Par contre, ce que je veux dire, ça reste à l'appréciation du banquier. Et ça, on pourra pas, personne ne pourra imposer au banquier de faire, même s'il y a une garantie BPI France par ailleurs. Non, j'ai compris, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où le banquier, sur des critères que vous venez d'établir à l'instant, souhaite financer, vous, à partir du moment où ça ne dépasse pas 200 000, vous n'y êtes pas opposé, c'est ça ma question. En fait, ce n'est pas qu'on n'y est pas opposé, c'est qu'on ne le voit pas. Donc, dans tous les cas… D'accord, non, mais c'est clair. Je veux dire, après, la garantie, du coup, est de fait, quoi. Mais après, c'est vrai que sur les dossiers qu'on voit, c'est effectivement les dossiers qui ont une certaine taille. Et, oui, là, c'est une TPE. Ça peut être d'autres cas particuliers, mais là, c'est une toute petite entreprise qui reprend un fonds de commerce. Voilà, c'était juste ma question. Oui, mais complètement. Non, mais j'ai bien compris. En fait, sur la création, effectivement, il n'y a pas de critères financiers. D'accord, merci. Je n'ai pas d'autres questions dans le fil du chat. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur la question de Serge. Je ne sais pas. J'attends quelques réactions, encore 30 secondes, pour voir s'il y a d'autres questions. Et sinon, on passe à la batterie de questions de notre ami Serge. Tu es prête, Karine? Oui. Tu peux nous rappeler la première question, Serge, qu'on se remette dans le… Alors, la première question, c'était concernant les garanties financières sur le secteur des auto-écoles, puisqu'à priori, on vous demande du coup une garantie spécifique, c'est ça, pour couvrir… Tout à fait. Alors, je pense qu'on n'est pas sur le même type de garantie que ce que nous, on est capable d'apporter. En fait, nous, on parle d'une garantie sur un prêt bancaire. Oui. Là, je pense que voilà, c'est assez spécifique, du coup, la garantie auprès des auto-écoles. Et après, sauf si Stéphane a plus de recul, mais pour moi, c'est quelque chose qui rentre pas dans dans le secteur de la garantie. On sait faire. J'avais pas entendu la question, du coup. La question, c'est qu'en tant qu'auto-école, on doit avoir une garantie financière qui est attachée à notre chiffre d'affaires. Pour garantir nos clients en cas de défaillance. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, mais je posais la question parce qu'on parlait tout à l'heure de garantie, de prêt, de machin, tout ça. Donc vous ne rentrez pas là-dedans. Tout à fait. Ouais. Donc la deuxième question, c'était sur l'histoire du prêt vert. Parce que voilà, j'ai pour projet d'acquérir un véhicule électrique. Et alors, je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place pour le verdissement des flottes auto-écoles, mais ça a été signé au mois de septembre. D'ici que ça soit en place, moi, j'aurai déjà le véhicule. Donc je voulais savoir si vous pouvez intervenir là-dessus et comment. Et voilà. En effet, les véhicules rentrent complètement dans le critère d'accompagner les entreprises dans la transition écologique et énergétique via en effet un dispositif comme le prêt vert, où en effet, vous évoquiez tout à l'heure les LOA, mais oui, ça peut être aussi via du crédit bail. Tout à fait. D'accord. Et donc là, il faut que je rentre en contact avec la BPI ou alors je passe par la banque et je leur demande… Là, du coup, vous pouvez rentrer en contact directement avec nous, ouais, tout à fait. Après, on va plus peut-être être limité par rapport au montant des investissements. Enfin, je suppose que ça dépend si vous avez une… Enfin, ce serait sur un véhicule, plusieurs. Ce serait sur un véhicule. D'accord. Ouais, pour l'instant. Je pense qu'on va être peut-être un petit peu bloqué par le seuil, le montant minimum, en fait. Le montant minimum du prêt vert, je ne l'ai plus de mémoire parce qu'on est plutôt sur
des plus gros montants sur les prêts verts, mais je crois que c'est 50 000 ou 100 000 euros le montant minimum. Ouais, je te confirme, Stéphane, c'est 50 000 le montant minimum. 50 000 euros. Et en fait, il faut, on est dans le prêt vert, dans un partage, comme l'ensemble de nos interventions. On veut toujours qu'il y ait un partenaire bancaire qui participe à nos côtés. Alors, pas spécifiquement sur le véhicule ou sur le projet en lui-même, mais je veux dire, si on met 50 000 euros, ça veut dire qu'il faut aller chercher par ailleurs un prêt bancaire d'au moins 50 000 euros. Mmh. Donc, ça veut dire que vous ayez eu déjà, donc effectivement, est-ce qu'il est possible, hein, des prêts par ailleurs de 50 000. Nous, à ce moment-là, on peut intervenir seul, mais dans tous les cas, ce serait 50 000 euros. Alors après, ça dépend des véhicules, hein. Il y a bien sûr des véhicules qui font bien plus. Non, mais ça ne sera pas dans ce cas. Bah, du coup, ce ne sera pas bon, parce que c'est un véhicule qui vaut 35 000 euros, en gros. Mais par contre, quand je vais à ma banque, moi, pour emprunter pour un véhicule, en général, on me demande d'être garanti personnel, alors que je suis en SAS, mais on me demande d'être garanti personnel sur ce prêt. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre la BPI en caution, enfin en garantie, pour se substituer à moi? En fait, si vous voulez, la garantie de caution personnelle que demandent les banques, c'est souvent l'implication du dirigeant qui est recherché plus qu'autre chose, finalement. C'est parce qu'une garantie, une caution, c'est une garantie un peu morale, quoi, intellectuelle, finalement. Mmh. Ce n'est pas une garantie réelle. Donc, en fait, on vient plus chercher l'implication dans la démarche, dans le projet, l'investissement personnel du dirigeant. Souvent, une garantie BPI France, elle est prise parce que c'est une véritable garantie qui a effectivement un certain poids, puisque nous, on va couvrir, on va payer en cas de défaillance. Mais ça, en général, ça n'enlève pas, ça n'empêche pas le banquier de prendre la caution personnelle s'il souhaite la prendre. Mmh. En fait, ce n'est pas parce qu'il va y avoir une caution de BPI France que le banquier va quand même pas s'empêcher de prendre une caution personnelle s'il estime qu'il a envie d'impliquer dans le processus de risque, on va dire, le dirigeant, même intellectuellement. Donc, la caution peut être recherchée quand même. C'est pour ça que je vous dis, on peut quand même garantir. Hein. D'ailleurs, il n'y a aucun souci pour qu'on travaille avec votre banque pour garantir un prêt. Hein. Mais peut-être que le banquier va quand même demander votre caution personnelle et nous, on ne va pas se substituer en fait à ça. Ça peut être un moment... Moi, j'en arrive à prendre des crédits constructeurs plutôt que des crédits bancaires parce que à chaque fois, écrire… Alors, on disait que c'était un cautionnement moral, mais quand on commence à nous demander d'écrire un manuscrit que la banque peut venir chercher sur les biens personnels et qu'il n'y aura pas d'action, qu'on ne pourra pas revenir en arrière et tout ça… j'ai une entreprise qui tourne bien, hein, il n'y a pas de difficulté là-dessus. C'est pour moi source de pas d'inquiétude parce que je suis pas inquiet plus que ça, mais c'est plus que de l'engagement moral, quoi. C'est sur le papier et puis c'est bien marqué noir sur blanc que s'il y a un souci, c'est moi qui m'engage à payer personnellement et que j'aurai pas de recours contre ça, quoi. Donc ça, c'est pour ça que je vais chez les constructeurs maintenant, même si c'est un peu plus cher, tant pis, parce qu'on ne me demande pas ce genre de choses, même si concrètement, on pourra venir me chercher. Hein, mais, Alors, c'est vrai que c'est un engagement moral, je minimise, mais je veux dire, je sais bien que c'est un engagement financier, à la fin, c'est quand même un engagement financier, mais c'est vrai qu'une caution, à la différence d'une garantie réelle, comme pourrait être, je ne sais pas, une hypothèque ou une garantie à première demande, c'est plutôt en dernier recours, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a une caution, on va essayer, les banquiers essaient de trouver tous les moyens possibles pour réussir d'abord à ce que vous puissiez payer d'abord sur les actifs de la société, sur la trésorerie de la société, sur tout ce que vous avez sur la société, avant d'aller chercher la caution personnelle. Ce n'est pas une garantie à première demande et une garantie qui s'applique de fait et instantanément, comme on peut le voir dans des procédures de... contentieuse pour des hypothèques par exemple où on a le bien qui est en garantie réelle, donc c'est quand même une caution. Quand je dis morale ou intellectuelle, c'est un engagement de faire si, et d'ailleurs c'est ce qui est précisé dans votre caution, je pense, c'est si votre société n'y arrive pas ou si vous n'y arrivez pas par tous les moyens, à ce moment-là, sur vos moyens et vos deniers personnels, on viendra vous chercher. C'est un peu ça l'idée.
Oui, et puis tous les ans, on m'envoie un relevé en me disant vous êtes engagé sur la somme. C'est l'information annuelle contractuelle des garants. Donc effectivement, ça, ils sont tenus de vous envoyer chaque année. C'est assez contractuel. Mais oui, non, alors pour dire en fait, voilà, BPI France ne se substitue pas à ça. Mais d'accord. Par contre, pour quand même bien répondre à votre question, parce que je la comprends quand même, oui, effectivement, une garantie de BPI France peut permettre au banquier d'être rassuré. Et peut-être qu'à ce moment-là, il peut décider de ne pas prendre la caution personnelle. D'accord. Et sur les fonds propres, tout à l'heure, est-ce que vous parliez des fonds propres, j'aurais besoin d'informations parce que je suis un peu novice dans cette histoire-là. Les fonds propres, c'est On parle de fonds propres quand on parle d'intervention en capital ou en obligation convertible dans des gros projets de structuration ou de développement des entreprises. Donc, une SAS avec 1 000 euros de capital, c'est fonds propres, c'est 1 000 euros. Oui, oui, tout à fait. C'est comme ça qu'il faut l'entendre ? Oui, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, tout à fait. D'accord. Et puis, bah, j'avais juste une question sur le DIAG 360, savoir en quoi ça consistait et puis le coût. Et puis après, je n'ai plus de questions. C'était la dernière, en effet, de la liste. Donc, le DIAG 360. Le diagnostic écoflux, du coup, comme je le disais, en fait, l'idée, c'est d'essayer de réaliser des économies durables et d'optimiser les flux au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment de faire, en fait, comme son nom l'indique, un diagnostic, finalement, des consommations énergétiques, de matière, d'eau, enfin, des déchets, de tout ça. Faire, finalement, une analyse des pratiques de l'entreprise pour ensuite, avec les experts qui viennent, définir un plan d'action, mettre ensuite en place, aider l'entreprise à mettre en place ce plan d'action et en fait après faire une évaluation de ce qui a été fait. Et l'idée derrière, en fait, c'est d'avoir du gain énergétique et du gain aussi économique, bien évidemment. Et donc, c'est un dispositif qui est pour les entreprises à partir de 20 salariés jusqu'à 250. Eh bien, j'ai encore pas de chance. C'est pas grave. Ok, ben merci pour vos précieux renseignements et merci pour ce webinaire qui était très bien réussi. Merci Serge, avec des petits couacs par-ci par-là sur les horaires. Je prie de m'excuser Stéphane et Karine, on a mis un peu de stress sur le dernier rush. Mais on y est arrivé. Voilà, c'est le début. Je veux juste vous inviter à regarder peut-être l'écran partagé pour vous dire que le 19 novembre, il y aura un prochain webinaire sur les douanes avec des informations sur cette institution. Et puis le 17 décembre, sur la DRETS, un nom un peu barbare. Donc, mes collègues pourront peut-être en parler s'ils le souhaitent, s'ils sont connectés pour teaser un peu ces prochains webinaires s'ils le veulent. Et puis, moi, je leur cède la parole. Et puis, sinon, j'ai dit à bientôt à tout le monde. Et puis, Karine, on prend contact, si tu veux, pour une date. Écoute, à la limite, dans la foulée, je te rappelle vers 10h si tu es disponible. Comme ça, on cale nos agendas et puis on se fait quelque chose. Pas de souci. OK, OK. Ça. Ceux qui veulent prendre la main, mes collègues, sur le 19 novembre, 17 décembre, c'est maintenant. Et puis, sinon, on se dit au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. C'est bon, il y a une petite intervention de ma collègue, du coup. Voilà, sur le 19 novembre, en fait, le webinaire sera animé par Guillaume Muller, qui est le chef du pôle de l'action économique de la Direction générale des douanes. Voilà. Je ne sais pas s'il reste encore un peu de monde, mais… Si, il t'en reste. En tout cas, c'était un webinaire extrêmement intéressant. Bravo, Nicolas. C'est très bien. Merci Florence, merci à tous, à très bientôt, bon courage et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.